les gens se retrouvent pour un top versus réalité. Dans un premier temps, on retrouve un top. Un top là, par exemple, de but de balle qui rebondit dans des pions et qui rentre ensuite. Là, une première bande, une deuxième bande et c'est but. Ensuite là, bon bah, parce qu'on n'a pas trop bien vu le départ, mais c'était pas forcément évident. On profite ensuite de l'angle pour glisser la balle. Ici, on fait premier, deuxième rebond et avec l'effet, elle rentre tranquille. Là, bah, on fait juste rebondir contre sa défense. Là, pareil, on fait coulisser le long de la paroi. Ici, un but pas forcément évident non plus, mais il rentre. Et celui-là, je le kiffe. Franchement, renvoyez-le, mais je le kiffe. Parce que rien que le tir de base, il était complexe. Ça, c'est un truc de base tranquille, tu vois, ça se fait pépère. Ça aussi, hein, dans le genre. Et maintenant, dans la réalité, ce que ça donne, c'est que, en fait, je me suis vraiment fait défoncer sur cet enchaînement de matchs. J'ai mis, au début, effectivement, que les beaux buts que j'ai marqués. Et encore, les beaux, bon, voilà, j'ai sélectionné les meilleurs parmi. Mais voilà, c'était pas non plus mon jour de top but. Donc voilà, en gros, c'était une heure de match varié entre je mise 3000 dans les matchs Qatar, 4000, je suis pas au-delà des 4000. Donc j'ai fait plein de petits matchs comme ça. Là, on voit, je me fais démonter 3-0 dès le début. Ensuite, je me refais démonter 3-0 le deuxième match. Et là, ce troisième match, bon, ça va, je réussis à marquer un but. Je me dis, ah, j'y crois et tout, je vais continuer, tranquille. Et effectivement, bon, sur l'enchaînement, sur le reste, bon, c'était pas top. Là, je mène 2-0, hop, le mec fait remonte, il est à 2-2, hop, et 3-2. Et voilà, je me suis fait démonter. Là, ensuite, pareil, là, par contre, c'est des matchs à 5000. Je tente, comme ça. C'est des matchs limités dans le temps. J'aime pas trop. Mais voilà, j'avais envie de faire des matchs à 5000, de prendre des buts comme ça, hyper chanceux. Là, j'ai la chance, celui-là, d'ailleurs, est dans les ralentis, de faire un joli petit tir. Là aussi, celui-là est dans les ralentis. D'ailleurs, je me dis, quasiment tous mes buts, c'est peut-être parce que je cherche des fois à faire du spectaculaire. Et que du coup, comme là, tu vois, et quand on regarde, il y a effectivement d'autres possibilités beaucoup plus simples qui vont être des possibilités de marquage de but. Mais moi, voilà, il y a aussi le but de faire un truc sympa, quoi. Le jeu, j'ai envie de le quitter autrement, tu vois, de faire des trucs un peu qui changent de l'ordinaire, pas juste marquer des buts. Mais des fois, voilà, aller au-delà de tout ça. Et surtout quand maintenant, je maîtrise un peu, beaucoup, pas mal, la physique de Soccer Star. Cela dit, tu peux pas non plus anticiper certains rebonds, tu peux plus ou moins les anticiper, mais déjà que la visée directe des fois est complexe, des fois, donc se dire bah le ballon va rebondir contre la paroi, ensuite va rebondir contre mon pion qui va rebondir, et le ballon doit rebondir à tel endroit de mon pion pour que ça aille, ouais, c'est un peu chaud, mais des fois, bah voilà, sur un malentendu, ça passe. Donc voilà, j'ai enchaîné tout ça, des matchs à 4000 comme ça. Donc là on est sur du Qatar, où vraiment le Qatar je suis resté j'ai dû enchaîner une trentaine, hein, une cinquantaine de matchs, je saurais pas trop dire. Là je les ai pas tous mis parce qu'il y en avait qui étaient vraiment naze en termes de but. Donc déjà que là il n'y a pas non plus le top, mais voilà, j'ai essayé quand même de faire une pseudo-sélection pour que ce soit quand même intéressant à regarder. Et à visionner. Voilà, donc c'est terminé les gens, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bah je vous dis à très bientôt, kiffez la vie parce que elle vous kiffe.